retour. Hello tout le monde, aujourd'hui si je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, toujours de mon Wendy Koala parce que bon, c'est les vacances et voilà, et on est en hiver, il fait froid, donc je me permets de revenir avec mon Wendy. Donc voilà, bref, donc je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes cadeaux de Noël 2015. Donc je vous avais proposé cette vidéo sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas sur Insta, je vous conseille vivement d'y aller. Donc c'est @thecrea, donc je vous mets à l'écran, voilà, et aussi en barre d'infos. Donc je vous retrouve donc pour vous présenter mes cadeaux de Noël. Vous avez été vraiment nombreux à me dire oui, donc je vous remercie pour votre activité, ça me fait vraiment plaisir. Donc avant de commencer, gros disclaimer comme dans tout ce genre de vidéos, c'est que bah je ne fais pas cette vidéo pour me vanter, voilà. Je fais ça parce que je voulais proposer, vous avez été nombreux à me répondre oui, et moi j'adore faire ce genre de vidéos et les regarder aussi parce que, enfin je trouve que... T'es vraiment trop conne! Oh mon dieu, je l'ai tuée celle-là! Mais regardez-moi ça! Mais regardez-moi cette débile mentale! Mon dieu! Donc je disais, je ne fais pas cette vidéo pour me vanter, mais parce que j'adore bah, regarder ces vidéos-là justement. Et je trouve que ça peut toujours donner des idées pour des futurs Noël, ou même des futurs cadeaux d'anniversaire, futurs cadeaux de Noël, etc. Donc bref, j'ai assez parlé, et pour tous les rageux qui viendraient rager en commentaire, ça me passe, mais voilà. Donc je vais tout de suite commencer, et sachez juste que j'ai été quand même pas mal gâtée à ce Noël, donc... Voilà! Donc je tenais à dire que j'ai reçu aussi de l'argent et des chocolats, malheureusement que j'ai déjà mangé, voilà. Puisque je ne pouvais pas résister. Donc du coup, ce qui fait que s'il y a des cadeaux que je ne présente pas de certains de mes proches, c'est parce que justement j'ai reçu soit de l'argent et que ça ne vous regarde pas le montant, etc. Ou alors bah, que j'ai reçu des chocolats ou des choses comme ça. Enfin bref, donc on va commencer par le premier cadeau. Enfin non, on va commencer par ce que m'ont offert mes parents. Donc... ils m'ont tout d'abord offert un mascara, donc je vous ferai un close-up. Donc c'est un mascara de chez Yves Rocher, c'est le méga, non, le volume déployé, voilà. Donc je l'ai déjà testé et tout, il est genre trop bien. Bon là il est fermé parce qu'en fait c'est le deuxième tube que j'ai, voilà. Vu qu'en fait j'avais dit que mon premier tube était vide, donc du coup il m'en fallait un autre. Et ils m'en ont offert un pour Noël, donc ça fait genre trop plaisir. Ensuite ils m'ont offert quelque chose que je voulais genre depuis mais tellement longtemps, voilà, et que je savais que j'allais avoir, que je l'ai commandé et tout ça avec mes parents. Donc voilà, et je sais pas si vous avez pu remarquer, mais dans mes dernières vidéos DIY, la qualité sonore est beaucoup mieux, notamment la vidéo Pink Christmas. Voilà, la qualité sonore des voix fait beaucoup mieux tout simplement parce que... Tada! J'ai reçu un micro, donc c'est le micro Snowball de chez Blue, et il est genre trop bien, donc là je vous montre juste la boîte. Mais en gros, voilà comment il se présente. Bon là, il y a le... J'enlève le petit truc devant. Donc voilà. Ah! Donc voilà comment il est. Il est genre... Donc j'ai pris en aluminium brossé. Donc voilà, mais il y avait plusieurs couleurs. Donc il est avec un petit trépied comme ça. Et donc vous avez derrière la prise pour le connecter par USB à l'ordinateur. Et vous avez trois modes. Donc le premier... mode, ça enregistre que ici devant et c'est pour les sons faibles, donc les podcasts, les voix comme je fais, etc. La deuxième position, c'est toujours ça enregistre que devant et c'est pour enregistrer tout ce qui est genre son plus fort, du style guitare, instrument de musique, etc. Et la troisième position, c'est quand on veut faire une interview, voilà, on peut aussi enregistrer de ce côté-là. En fait, ça enregistre des deux côtés en même temps. Donc voilà, et avec, j'ai eu... ceci, donc c'est un petit truc pour mettre devant pour pas qu'il y ait du vent, etc. Enfin, quand vous soufflez, quand vous respirez, etc. Donc voilà, donc franchement, il est vraiment de super bonne qualité, il est top. Et il va pour tous les ordinateurs, que ce soit les ceux qui ont le système Windows ou le système iOS, donc les Mac. Donc voilà, il est vraiment super et voilà, je suis juste trop contente, la qualité sonore est vraiment top maintenant, donc voilà. Ensuite, de mon oncle et de mes cousins, j'ai reçu ceci, donc mon onesie Koala. Ça fait déjà longtemps que vous l'avez vu, voilà, en fait vous l'avez même vu avant Noël parce que j'ai fêté Noël pas le 25 mais avant, étant donné que je partais en vacances. Voilà, d'ailleurs je suis partie à la Réunion à l'île Maurice et normalement à l'heure où vous voyez cette vidéo je suis rentrée, donc voilà. Donc voilà, j'ai reçu mon petit onesie Koala, il vient de chez Etam pour ceux qui veulent savoir, mais je pense
plus qui sont disponibles. C'était la collection justement d'hiver. Ensuite, de ma grand-maman du côté de mon père, j'ai reçu des chocolats, de l'argent et également une carte iTunes. Donc je ne l'ai plus sur moi vu que j'ai déjà utilisé. Donc voilà, c'était une carte iTunes et ça c'est toujours un cadeau pratique je trouve. Donc ça c'était pour le Noël du côté de la famille de mon père. Maintenant on va passer du côté de ma mère. Voilà, donc j'ai re-reçu des cadeaux de la part de mes parents. Donc j'ai reçu une recharge de gel douche de chez L'Occitane. Donc c'est le gel douche verveine agrume. Mais c'est juste une tuerie. Si vous passez à L'Occitane, allez vraiment le sentir. Il sent trop trop bon. Il sent le frais et moi j'adore. Même si on est en hiver, tout ça, genre pour l'été, c'est vraiment bien. Et même en hiver pour se motiver à faire des choses. Enfin voilà, dès le matin ou même le soir, ça rafraîchit. L'odeur est juste trop agréable. Donc voilà. Et ça, c'est vraiment un cadeau genre qui fait toujours plaisir. Ensuite, toujours de mes parents, j'ai reçu une nouvelle paire d'écouteurs, donc ce sont les AirPods de chez Apple toujours. Donc voilà, je pense pas vous faire un close-up parce que je pense que tout le monde sait à quoi ça ressemble. Voilà, parce que c'est problématique, on va dire, je casse tout le temps mes écouteurs. Ceci est ma troisième paire pour vous dire. Et voilà pour ce que j'ai reçu de mes parents, donc je les remercie vraiment beaucoup beaucoup. Ensuite, de la part de ma grand-mère du côté de ma maman, j'ai reçu un coffret comme ceci, donc je vous ferai un close-up. Donc c'est un coffret de parfums de chez Guerlain, donc la petite robe noire. Donc dedans, vous avez le parfum et vous avez également un mascara de chez Guerlain. Donc j'ai hâte de tester les deux et franchement le parfum il sent juste trop trop bon. Franchement je l'aime trop trop trop, donc voilà. Ensuite, de la part de ma tante, j'ai reçu plusieurs choses. Donc j'ai reçu d'abord deux petits trucs comme ça. Donc, en fait ce sont des rangements pour ranger genre dans votre salle de bain, pour mettre votre maquillage ou tout ce qui traîne, voilà, en forme de petits bonnets un peu, enfin genre si c'est comme ça, bref. Voilà, moi quand j'ai ouvert j'ai cru que c'était des bonnets mais je comprenais pas pourquoi il y avait deux tailles différentes. Donc voilà, bref, un grand et un petit. Donc ça je trouve ça vraiment toujours pratique et puis ça passe vraiment nickel, c'est très discret et la matière est genre assez agréable honnêtement. Et elle m'a aussi offert un coussin, voilà, donc un coussin gonflable là, puis vous mettez bon, rien avec le capuchon, mais voilà. Je pense que vous voyez ce que c'est. Donc là il est pas très gonflé par contre. Mais voilà, en fait pour mon voyage à la Réunion, tout simplement, ça a été vraiment pas mal utile pour dormir dans l'avion. Voilà, c'est plus agréable que d'avoir directement le siège. Et puis c'est toujours pratique pour les longs voyages ou même parfois en voiture ou en train quand on est un peu fatigué et qu'on sait qu'on va rentrer tard. Je pense que c'est vraiment super pratique. Donc voilà. Donc voilà pour ma vidéo. Voilà pour tout ce que j'ai reçu. J'espère que ça vous aura donné quelques idées pour des futurs cadeaux. Et voilà, j'espère aussi que ça vous aura plu. Je répète encore une fois que je n'ai pas fait cette vidéo pour me vanter, mais simplement dans le but de partager avec vous des découvertes. Ou voilà, enfin. Bref, vous m'avez comprise. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je remercie encore toute ma famille pour m'avoir gâtée autant à ce Noël. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Bye!